Lecture. La tour Mohamed VI. Le nouvel espace de français, page 24. J'observe et je découvre. Que représente la photo La photo représente la tour Mohamed VI. 2. Quel est le titre du texte la tour Mohamed VI 3. D'après le titre et la photo, sur quoi le texte nous informera-t-il, à ton avis D'après le titre et la photo, le texte nous informera sur la tour Mohamed VI. La tour Mohamed VI. Le roi Mohamed VI a présidé le jeudi 1er novembre 2018, la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique. D'une hauteur de 250 mètres, elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux. Je lis et je comprends. Je prononce bien. Plus. Bureau. Du. Tour. Pouvoir. Bijou. Nous. 1. Hein, quand la cérémonie de lancement officiel, des travaux de construction de la tour Mohamed VI, a-t-elle eu lieu Le jeudi 1er novembre 2018. 2. De combien d'étages se compose la Tour Mohamed VI La Tour Mohamed VI se compose de 55 étages. 3. Quels sont les espaces qu'on trouve dans cette tour La Tour Mohamed VI comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. 4. Qui parle dans le dernier paragraphe du texte À propos de quoi C'est le directeur général des travaux qui parle à propos de la construction de la tour Mohamed VI. Je réagis. Comment trouves-tu la tour Mohamed VI Justifie ta réponse. Je trouve la tour Mohamed VI élégante, car elle est la plus haute tour du Maroc. La tour Mohamed VI. Le roi Mohamed VI a présidé, le jeudi 1er novembre 2018, la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique. D'une hauteur de 250 mètres, elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux.